Salut à toutes et à tous, c'est Lies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On connaît presque l'adversaire de Francis Ngannou pour ses grands débuts au PFL. L'organisation a officialisé la nouvelle il y a quelques heures. Francis Ngannou va affronter le vainqueur de Renan Ferreira versus Ryan Bader pour son premier combat au PFL. On n'a toujours pas de date en notre possession, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'honnêtement, alors on sait que Francis a signé un contrat très lucratif avec le PFL qui lui garantit de toucher minimum, je dis bien minimum, 1 million de dollars par combat. Donc forcément, oui, Francis a signé un contrat avec le PFL, un gros contrat. Donc il se devait d'honorer ce contrat-là. Donc on savait qu'il allait faire tôt ou tard ses débuts au PFL, mais on commençait à se dire que ça allait être pas mal retardé, étant donné que Francis, pour l'instant, il est pleinement focus sur sa carrière en boxe anglaise. Il a affronté Tyson Fury à son précédent combat. Dans quelques semaines, voire dans quelques jours, il va affronter Anthony Joshua. Donc si je me place à la place du président du PFL, par exemple, Don Davis, je commençais à avoir quelques sueurs froides, mais heureusement, on le sait, Francis Ngannou va donc affronter le vainqueur de Renan Ferreira contre Ryan Bader. Renan Ferreira n'est autre que le vainqueur du tournoi PFL dans la catégorie des poids lourds, et Ryan Bader n'est autre que le champion actif, le champion en titre de la catégorie des poids lourds du Bellator. Les deux hommes vont s'affronter ce week-end en Arabie Saoudite lors de l'événement cross-promotion en quelque sorte entre le PFL et le Bellator, même si vous le savez, le PFL a racheté de manière très récente le Bellator. Et dans la foulée, bah, ils ont décidé d'organiser un événement qui va opposer certains de leurs champions au PFL à certains champions du Bellator J, notamment parce qu'on aura aussi droit à un très beau combat entre Thiago Santos et Yoel Romero, qui ne sont pas champions ni du PFL ni du Bellator. Qu'est-ce que j'en pense de cette nouvelle-là? Bah, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, parce que moi, personnellement, je veux vraiment voir Francis Ngannou poursuivre sa carrière dans une cage, dans un octogone. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ses dernières sorties, elles sont convaincantes. J'ai même envie de dire qu'elles sont effrayantes, notamment sa victoire contre Stipe Miocic, qui lui a permis de devenir champion des poids lourds, mais à l'UFC. Il a montré énormément de maturité dans son game, très discipliné. Il choisissait ses coups, il s'est montré très précis, il s'est pas précipité pour aller à la recherche et à l'abordage du finish comme ça a pu être le cas lors de son premier combat contre Stipe Miocic. Et surtout, en termes de lutte défensive, même en termes de lutte offensive, il a montré de sérieux progrès contre Stipe Miocic lors de cette revanche. Mais si on se concentre uniquement sur la lutte offensive, c'est clairement contre Cyril Gane pour sa première et unique défense de titre chez les poids lourds à l'UFC que ça m'a le plus impressionné. Francis a montré que même s'il n'arrivait pas à connecter ses adversaires, à ne pas l'emporter par KO, il avait d'autres cordes à son arc, notamment la lutte offensive, alors qu'il y a quelques années auparavant, il n'était vraiment pas du tout réputé pour ça. Donc malgré le fait que Francis, il a quel âge aujourd'hui Francis? Il a 36 ou 37 ans. Il a montré pas mal de progrès sur ses deux derniers combats et c'est totalement effrayant pour ses prochains adversaires parce que son arme de prédilection sont ses qualités athlétiques, sa puissance, vous le savez, vous en souvenez, 2017, il a enregistré la frappe la plus puissante de l'histoire, visiblement. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, un fou, un tox? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a pu le voir contre ses précédents adversaires, Jairzinho, il connecte une fois, il lui fait faire dodo. Pareil pour Alistair Overeem, dont les cervicales et le cou a dû subir un choc traumatisant, il a failli lui arracher la tête. On a pu se rendre compte lors de sa carrière que Francis Ngannou, effectivement, il frappe très très fort. Donc il frappe très très fort, il a un game beaucoup plus complet qu'il y a quelques années. Renan Ferreira, Ryan Bader, bon, c'est deux combattants différents. Le plus prestigieux des deux, c'est Ryan Bader, et sans aucun conteste possible, parce qu'il est passé à l'UFC, il a affronté des beaux noms, des John Jones, des Tito Ortiz, si je ne m'abuse, des adversaires comme Anthony Johnson, comme Glover Teixeira. Malheureusement, bon, il s'est incliné à chaque fois qu'il affrontait un grand combattant, mais il a aussi des très belles victoires prestigieuses à son actif. Je pense à sa victoire par KO contre Ilir Latifi. Là, j'ai les stats sous les yeux. Ovince Saint-Preux, voilà, c'est un nom quand même. Et puis récemment, Fedor Emelianenko, même si Fedor n'était que l'ombre de lui-même, il a été champion au Bellator chez les lourds légers, chez les poids lourds, donc en termes de prestige, il est passé par l'UFC. Ryan Bader, c'est quelqu'un. Maintenant, il faut dire qu'il a 40 ans aujourd'hui, qu'à la base, c'est un lourd léger. Donc, je ne donne pas cher de sa peau, en réalité, contre Francis Ngannou. En termes de promotion, on peut aussi trouver du sens à ce combat si Ryan Bader s'impose contre Renan Ferreira. Parce que
Le PFL ou Bellator PFL, oui, le PFL plutôt pourrait promouvoir ce combat-là en disant que Francis Ngannou aurait peut-être envie de venger un gars comme Cheikh Kongo, qui lui aussi est français. Enfin, vous allez me dire que Francis n'est pas français, mais il me semble qu'il a la double nationalité franco-camerounaise. Enfin bref, je m'égare un petit peu, mais en termes de promotion, on peut dire que voilà, Ryan Bader a battu un potentiel compatriote à Francis Ngannou qui était Cheikh Kongo, qui en plus Cheikh Kongo est d'origine africaine, burkinabé si je ne m'abuse. Donc il y a quelque chose, on pourrait promouvoir ça en mode Francis va-t-il venger la mémoire de son compatriote Cheikh Kongo. Ryan Bader qui a donc battu Cheikh Kongo, c'était à Paris deux fois d'ailleurs. La première fois c'était aux États-Unis si je ne m'abuse, oui, c'était à San Jose en Californie, et la seconde fois c'était à Paris. Pour moi, Ryan Bader, il fait pas le poids contre Francis Ngannou, parce que Francis Ngannou, c'est un vrai beau poids lourd, un poids lourd qui cogne très très dur, et donc je pense qu'il touche une fois Ryan Bader, Ryan, c'est fini pour lui. En plus de cela, Ryan a 40 ans, il est passé par de nombreux combats, il a quasiment 40 combats à son actif, c'est un vieux de la vieille. Donc en termes de prestige, Ryan, c'est l'adversaire le plus prestigieux des deux, mais je dirais que d'un point de vue compétitif, d'un point de vue sportif, surtout si Renan Ferreira parvient à éteindre Ryan Bader, je pense que Renan, le Brésilien, est peut-être un adversaire sportivement plus intéressant. Il est beaucoup plus jeune que Ryan Bader, il n'a que 34 ans. C'est un gars spectaculaire qui s'impose généralement sur des gros KO dans les premiers rounds des combats. Donc vraiment, s'il parvient à éteindre Ryan Bader, disons au premier round, l'affiche aurait de la gueule, même si évidemment, Francis est le grandissime favori, mais d'une violence de très très loin. Renan Ferreira, voilà, il n'a jamais combattu dans une organisation majeure du MMA, si ce n'est le PFL. Je pense, sans vouloir trop me précipiter, que sa victoire la plus notable, c'était contre Maurice Greene, mais Maurice Greene, c'était personne à l'UFC. Voilà, il a fait un no contest contre Fabricio Werdum. C'est pas fou. Franchement, d'un point de vue sportif, Francis Ngannou, il a des années-lumière. Et le problème, c'est que Francis, médiatiquement parlant aussi, il est à des années-lumière, que ce soit de Ryan comme de Renan Ferreira. Francis Ngannou, c'est un gars qui a été champion à l'UFC. L'UFC, c'est l'organisation numéro 1 du MMA. C'est un gars qui a affronté Tyson Fury pour son premier combat de boxe anglaise. Francis est non seulement une star du MMA, une star des sports de combat, une star tout court. Là, avec sa performance contre Tyson Fury, ça l'a propulsé. Il est passé dans une toute autre dimension. Il s'est pris un cachet monstrueux, minimum 10 millions de dollars. C'est une star absolu Francis, ni Renan ni Ryan ne peuvent rivaliser avec la puissance médiatique de Francis. Ou en réalité, chez les poids lourds dans le monde et dans n'importe quelle organisation possible de MMA, qui pourrait rivaliser avec Francis? Je n'en vois qu'un, c'est John Bones Jones. Et malheureusement, je doute que ce combat se fasse et ça me laisse quand même un goût amer en bouche, parce que je voulais vraiment assister au combat entre Francis et John Bones Jones. Pour moi, Francis a de grandes chances de devenir le premier à éteindre complètement John Jones. Mais bon, à mon avis, encore une fois, ça ne risque pas de se produire. Le fait de l'annoncer comme ça avant son prochain combat contre Anthony Joshua, ça peut le déconcentrer aussi. Et si ça ne déconcentrait pas Francis Ngannou? Par contre, le truc qui est positif là-dedans, c'est que contrairement à Tyson Fury, qui a annoncé son prochain adversaire, qui était Usyk, et qui a annoncé une date potentielle pour affronter Usyk, c'est-à-dire fin 2023 à la base, avant même d'affronter Francis Ngannou. Ça, c'était une grossière erreur. Lui-même l'avait avoué avant d'affronter Francis. Et puis, après Francis, il a subi de tels dégâts qu'ils ont été obligés de repousser le combat. D'ailleurs, le combat a été repoussé, si mes souvenirs sont bons, pour le mois de février 2024. Et là, il a encore été repoussé parce que Tyson Fury s'est blessé au niveau de l'arcade. Donc là, au moins, il n'y a pas de date. Donc, ce qui veut dire que Francis va pouvoir se préparer à son aise à affronter le vainqueur de Ryan Bader contre Renan Ferreira. Il a une grosse tâche en face de lui pour l'instant qui l'attend, et c'est Anthony Joshua. Je ne sais pas si vous avez vu cette interview. J'ai eu le plaisir d'interviewer John Bumba, qui est l'un des coachs de Francis Ngannou, et il m'a dit que Francis, il était déterminé. Il a envie d'en découdre avec Anthony Joshua, il a envie de décrocher la victoire, tout simplement par KO. Et si Francis parvient à réaliser l'exploit de vaincre Anthony Joshua, il y a de très grandes chances pour qu'ensuite il dispute une ceinture mondiale contre le vainqueur entre Tyson Fury et Alexander Usyk. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il va d'abord falloir s'imposer contre AJ, qui est un boxeur sous-coté, surtout depuis qu'il a perdu contre Andy Ruiz et deux fois contre Alexander Usyk. Ça reste un top boxeur.
qui a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques en 2012, qui a été deux fois champion du monde en détenant la majorité des ceintures, qui a des belles victoires à son actif contre Vladimir Klitschko, Brad Poulev, bon, c'est pas non plus un adversaire très prestigieux. J'en oublie Andy Ruiz, Dylan White. Il y a qui d'autre comme adversaire prestigieux que Joshua a battu? Joseph Parker aussi. En termes d'expérience, Anthony Joshua est évidemment le très très grand favori dans ce combat. Mais attention à la puissance de Francis Ngannou. Et pour revenir aussi à son prochain combat de MMA et ses débuts au PFL, moi j'ai peur aussi d'une chose, c'est que Francis est tellement le grandissime favori, que ce soit contre Ryan Bader ou contre Renan Ferreira. Francis, faut dire aussi qu'il a plus combattu en MMA depuis janvier 2022, si je ne m'abuse. Francis, il a fait énormément d'argent. Il s'est fait minimum 10 millions de dollars contre Tyson Fury. Il me semble que contre Anthony Joshua, il va se faire minimum 20 millions de dollars. S'il bat Anthony Joshua, pour moi, son focus principal sera dirigé vers une ceinture mondiale en boxe anglaise. Parce que s'il arrive à détenir une ceinture mondiale en boxe anglaise, il marque l'histoire. Ça deviendrait peut-être le combattant le plus incroyable de l'histoire de l'humanité parce qu'il aura réussi l'exploit de devenir champion du monde à l'UFC, l'organisation numéro 1 du MMA, et détenir une ceinture mondiale en boxe anglaise. La boxe anglaise, ça reste le noblard. Alors on sait que un gars comme Alex Pereira a été double champion du monde au Glory Kickboxing et double champion à l'UFC également. Mais le Glory Kickboxing, le kickboxing, ça n'a pas la même prestance, le même prestige que la boxe anglaise, évidemment. D'autant plus que la catégorie des poids lourds en boxe anglaise, c'est la catégorie reine. C'est vraiment the place to be. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas concernant cette nouvelle. Francis Ngannou, c'est une bonne nouvelle, va combattre en MMA, va faire ses débuts au PFL. Ce sera contre le vainqueur de Ryan Bader, Renan Ferreira. Je vous le rappelle, ils vont s'affronter ce week-end lors de l'événement Cross Promotion PFL Bellator qui va s'organiser en Arabie Saoudite. Honnêtement, j'ai une préférence pour Renan Ferreira, et j'espère qu'il va s'imposer sur KO au premier round pour qu'on puisse avoir une affiche un minimum vendeuse, on va dire, parce qu'encore une fois, je sais que je me répète, mais que ce soit Ryan, que ce soit Renan, Francis est à des années-lumière d'un point de vue sportif et d'un point de vue médiatique également. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, donnez-moi vos pronostics aussi pour Francis Ngannou, Anthony Joshua. Ça se passe le 8 mars également à Riyad en Arabie Saoudite. C'est tout pour moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Si ça n'est toujours pas le cas, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait évidemment toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.